Bonsoir, chers téléspectateurs. Merci de faire de Millénial votre référence en matière de divertissement socio-éducatif et culturel. On est en quart de finale, troisième sortie de Génie Millénial. On va passer un très, très bon moment. Bonsoir et merci à vous tous. C'est le moment de saluer mes techniciens. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Ils font un travail extraordinaire. Et le moment également de saluer mes membres du jury. Murdit, s'il vous plaît. La femme positive. Et puis Patricia, la nénène de Hall. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Cathy, la CEO incomparable. Et notre chère Wendy nationale, pour qui le sourire. Le sourire est la source de bonheur, de joie pour l'haïtien. Bonsoir et merci d'être là. Avant de nous prendre pause là, c'est... Femme dit-nous que je dis assez parti suspense pity par rapport avec toute l'autre émission qui passait. Yo. Parce qu'il y a un paquet de participants à plaigner. Tout dit-moi si je ne suis pas venu, tout dit-moi que ça va me faire. C'est comme si on ne connaît pas, est-ce que vous êtes là ou bien si vous n'êtes pas là. Nous allons recevoir, yo, c'est toujours le même genre. Une fois que photo paraît, c'est que vous êtes toujours là ensemble avec nous. Si vous n'avez pas photo, malheureusement, c'est que vous êtes éliminé. Mais bien avant, nous prenons pause là. Je vais demander pour nous applaudir tous les participants, yo, net pour moi, s'il vous plaît. Bien, bien, bien. Eh bien, comme vous annoncez, nous prenons pause là. Nous allons tourner avec les participants. Yo. Vous êtes jeune, vous voulez vous impliquer? Millénial, magazine socioculturel, vous en donne l'opportunité. Merci parce que vous êtes toujours ensemble avec nous. Pas oublier, ou sous Télépacifique, ou suivre Génie Millénial. Mais tu as annoncé le taléa. Nous allons recevoir tous les participants qui ont continué ensemble avec nous dans le concours. Là. Moi, par contre, qui est sûr, c'est même gens ensemble avec moi, je vais le découvrir. Qu'on y a tant pris, en pile bris pour tous les participants qui ont continué ensemble avec nous. Jovenel. Jovenel, travaille pour notre premier participant. Qualifié. Cancun, Richard. Hickson. Yuri. Mark Peterson, Stanley. Ernst. Woodgeri. Mark Peterson. Toussaint Hervé. Nous avons deux participants qui sont éliminés. S'il vous plaît, je vais demander nous pour nous applaudir pour ça. Vous avez fait sous le plateau. Ça. On va commencer comme nous connaissons, avec Histoire d'Haïti et Géographie d'Haïti. On commence bien sûr avec Cancun Richard. Question numéro 7. 5. 7. 7. Numéro 7 histoire pour Cancun. Quel est le nom de l'unique reine d'Haïti? Répondez une question, mais s'il vous plaît. Quel est le nom de l'unique reine d'Haïti? On prend une question en bien. Marie-Louise quoi, David? Cher Gilles. On accepte. Bravo. C'est Marie-Louise Christophe Nekwa David. Bravo, concours. On continue. Ixon 003. Question 4. Qu'est-ce qu'un président de facto? Un président de facto, c'est un président qui n'a pas été voté par le peuple ou qui n'a pas été élu par le peuple au moyen des élections. Est-ce que vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas? Car en sorte,
acte, c'est une partie de la réponse. Il manque quelque chose, on n'accepte pas. Non. Qui veut essayer? Soyez plus précis. Robert Mark Peterson. Robert Mark Peterson. Non, il est bon. Thank you. Et c'est un président que son mandat est terminé. Puis il est voté par le peuple, mais son mandat est terminé et il n'a plus le droit d'exercer et sa fonction. Donc son mandat est terminé. Non, c'est pas ça. Mark Peterson, qui veut essayer? Qui d'autre? Personne? Ixon, nous t'es juste manqué précision. Si jury a dit pour bas précision, c'est précision. Un président de facto, c'est un président qui exerce dans la pratique la direction et le pouvoir au sein d'un État sans pourtant bénéficier d'une reconnaissance populaire ou juridique quelconque. On continue, s'il vous plaît. OK. Le ricin d'Ali Youri. Question 2. Question 2. En 1802, deux coups durs majeurs ont été portés à la Révolution haïtienne. Quels étaient-ils? En 1802, deux coups durs majeurs ont été portés à la Révolution haïtienne. Quels étaient-ils? L'arrestation de Toussaint Louverture. Mm-hmm. La guerre du Sud. Non. Il veut essayer. L'arrestation de Toussaint Louverture. Mm-hmm. La bataille de Ravine à Couleuvre. Non. C'est oui, c'est l'arrestation de Toussaint Louverture et puis le rétablissement de l'esclavage. Non, là, c'est un petit manque de réflexion seulement. Vous êtes content que Jerry Brice soit pas venu? On continue. Question 10. Question 10. Quel nom porte la date du 6 décembre 1929 pour la ville des Cailles? Quel nom porte la date du 6 décembre 1929 pour la ville des Cailles? Mort de Charles Malpérat. Non. Toussaint, Hervens? Servants. Massacre de marche à terre. Bravo. On continue. Ernst. Question 8. Question 8. Quel est le vrai nom de Défilé la Folle et quel était son statut? Quel est le vrai nom de Défilé la Folle et quel était son statut? Son vrai nom, Marie-Sainte Dédé Basile. Mm-hmm. Son statut, elle était folle. Franchement, j'adore l'on répondre à une question parce que l'on va jouer nos bagages, bon, mon bagage est qu'un Son statut, Marie-Sainte Dédé Basile, Défilé. Comme si habitude gagne le décompte comme si poté bagaille pour soldat c'est dans même moment ça au chambre de touyer et deux petits. Merci beaucoup bravo, c'est Marie-Sainte Dédé Basile ou encore Dédé Basile, elle était colporteuse ou bien lavandière. Bravo s'il vous plaît. Oh, descendez tout est pour ça. On continue s'il vous plaît. Wow. Question 3. Quel est le nom du juge qui a été nommé par l'opposition comme président par intérim pour remplacer M. Moïse au pouvoir?
Quel est le nom du juge qui a été nommé par l'opposition comme président par intérim pour remplacer M. Moïse au pouvoir? Mécène Jean-Louis. Oui, c'est Joseph Mécène Jean-Louis. On l'applaudit, s'il vous plaît. Mark Peterson. Question 1. Question 1. Le Palais national a été détruit à 3 reprises. Quels étaient les présidents au pouvoir à chaque destruction, ça y est. Le Palais national a été détruit à 3 reprises. Quels étaient les présidents au pouvoir? C'est sénateur sur le compte. Mm-hmm. Pour le jeune Magloire? Non. Sylvain Salnave, mmh. C'est Sénatus Lecomte, René Garcia-Rival. Bravo! Toussaint Hervens, pour terminer. Question 5. Question 5. Ça va? Je ne comprends pas, non? Quel était le montant initial réclamé par la France comme indemnité pour reconnaître l'indépendance d'Haïti? Le montant initial réclamé par la France comme indemnité pour reconnaître l'indépendance d'Haïti? 150 millions de francs d'or. Bravo! Bien! Et on applaudit cette première catégorie, question d'histoire d'Haïti. Continue, s'il vous plaît, en géographie. Question 2. Question 2. Cancoul Richard, question 2, géographie d'Haïti. Dans quel département trouve-t-on la vallée des Trois-Rivières et la baie des Moustiques? Revenez la question, s'il vous plaît. Dans quel département trouve-t-on la vallée des Trois-Rivières et la baie des Moustiques? Département Artibonite? Non. Nord-Ouest. Bravo. Dixon, géographie. Question 5. Question 5. Quel est le seul pays directement limitrophe d'Haïti? Quel est le seul pays limitrophe, directement limitrophe d'Haïti? République Dominicaine. La République Dominicaine. La République Dominicaine. Bravo. Question 1. Question 1. Quelle commune dont le nom désigne une localité du Cacica de la Maguana est le carrefour conduisant vers le Cap-Haïtien, Port-de-Paix, Inche et Saint-Michel-de-l'Atalaye? Quelle commune dont le nom désigne une localité du Cacica de la Maguana aujourd'hui qui est le carrefour conduisant vers le Cap-Haïtien, Port-de-Paix, Inche, Saint-Michel-de-l'Atalaye? Caracol? Non. Ernst Léger-Baptiste. Gonaïve. Bravo. L'ensemble. Et ceci, c'est la ville d'origine de Fleurissa. Même monde qui va répondre, c'est l'Alzoti. On continue, s'il vous plaît. Question 8. Question 8, géographie. Quelle est la plus longue excavation naturelle de la Caraïbe située dans la commune de Port-à-Piment?
La Grotte Marie-Jeanne. Bravo. Question 7. Question 7. Dans quel département trouve-t-on les communes Baradère et L'Asile? Dans quel département trouve-t-on les communes Baradère et L'Asile? Nip. Bravo. Je suis sûr qu'après l'émission, je vais bien souffler avec Ernst. Je vais bien passer. 9 pour vous, Jerry. Quel est le gentilé des habitants de Circa Caval? Cavajale, Cavajale. Bravo! On continue, s'il vous plaît, Mark Peterson. Question 10. Question 10. Quel est le gentilé des habitants de Mirbalais? Mirbalaisien, Mirbalaisienne. Bravo! Là, nous allons plein même avec vos questions. Question 3. Question 3. Oh! Hervin, un peu stressé. Quelles sont les trois plus grandes villes d'Haïti en termes de population? Quelles sont les trois plus grandes villes d'Haïti en termes de population? Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Les Cayes. Non. Quelles sont les trois plus grandes villes d'Haïti en termes de population? Personne? On donne la réponse? Oui, c'est Port-au-Prince, Carrefour et puis Delma. On continue avant de prendre la pause. On continue en civisme. Question 3. Question 3, civisme. Signe visible de la patrie, fierté des Haïtiens partout dans le monde. Qui suis-je? Signe visible de la patrie, fierté des Haïtiens partout dans le monde. Le drapeau haïtien. Bravo. Ixon. Question 1. Question 1. Sentiment qui nous porte à aimer notre patrie et à nous dévouer à son service. Sentiment qui nous porte à aimer notre patrie et à nous dévouer à son service. Devoir civique. Non. Non, c'est pas ça. Civisme. C'est pas devoir civique. Patriotisme. La question est annulée. Si, pendant, moun ki met question, pou ko même répondre question, nous levé men nou, yo pa pe elimine question encore, y a moins nou, 20. Fok nou bay moun nan tan pou li réfléchir pou le répondre. Une fois que li parle, c'est pas ça, nous même nou gen possibilité pou nou levé men. Donc, oui, c'était le patriotisme, mais ou bah, on réponse déjà, ou pas de gagner, possibilité pour débattre en l'autre. On continue. Question 7. Question 7. On ne peut m'effectuer entre 6 heures du soir et 6 heures du matin, sauf dans certains cas prévus par la loi. On ne peut m'effectuer entre 6 heures du soir et 6 heures du matin, sauf dans certains cas prévus par la loi. Une arrestation. Bravo. Une arrestation ou encore une perquisition. Question 4. Question 4. Sentiment qui nous porte à considérer les autres comme nos frères et à leur faire tout le bien que nous pouvons. Sentiment qui nous porte à considérer les autres comme nos frères et à leur faire tout le bien que nous pouvons. Fraternité. Bravo, c'est la fraternité.
Question 2. Question 2. Je consiste à ne favoriser ou à ne désavantager personne devant la loi qui doit être la même pour tous. Je consiste à ne favoriser ou à ne désavantager personne devant la loi qui doit être la même pour tous. Égalité. Bravo. Neuf. Je détermine la forme du gouvernement, règle les droits politiques des citoyens et organise l'administration publique. Qui suis-je? La Constitution. Bravo, c'est la Constitution. On continue. Question 10. Question 10. Je consiste à compter le nombre de voix obtenues par chaque candidat. Qui suis-je? Je consiste à compter le nombre de voix obtenues par chaque candidat. Question civisme 10 pour Mark Peterson. Je consiste à compter le nombre de voix obtenues par chaque candidat. Qui suis-je? Fleurisse, hein? Cancole Richard, dépouillement du scrutin. Bravo. Et on termine avec R. Vance. Question 8. Question 8. L'éducation, la vie, la santé et le respect. Qui sommes-nous? L'éducation, la vie, la santé et le respect. Des droits. Ce sont des droits. Bravo. Et on applaudit, s'il vous plaît, cette catégorie civisme. Bon, nous conscients, pas bon candidat Kaplan, on est d'accord. Parce que tu manques la pidem. Hein? Mais pas oublier, tout le temps n'a pas avancé dans la compétition. Il y a une question à pi, difficile. Moi, espérer jeudi à nous profiter. Hein? Applaudis tête nous, hein? Oh, bravo, bravo. Merci parce que toujours avec nous sur Télé Pacifique pour regarder Millennial. Jeudi à ses quarts de finale. Merci pour fidélité ou parce que sans lui, Millennial pas tape exister. Nous allons continuer avec deuxième série de questions qui c'est culture et du français au créole que tout participant tape. Monsieur que nous préparer pour ça. Hein? N'a pas rappelé primio. Premier priant pour mon cap génie Millennial 2022. C'est 1 000 $. Ixon, vous voulez décourager, hein? S'il vous plaît, 1 000 $. Et puis, en séjour des Cameroun, je connais à mon ouvrier. Vous avez gagné un Bluetooth wireless. Et puis, yon gros panier cadeau dans VG Déco. Tout ça pour mon cap génie millénial là. Et des livres, bien sûr. Et des livres. Deuxième prix. Je dis, madame, faut avoir un cop dans deuxième prix. Eh bien, pas un cop dans deuxième prix, c'est simplement des livres, et puis yon tablette, et puis, nous faisons comme si nous avions un deuxième prix qui s'allait. Hein? Yon speaker wireless. Et puis, troisième prix, c'est casque Bluetooth, livre et puis speaker wireless. Nous parlons de troisième et deuxième prix, même à ce qu'il paraît. Hein? Et puis, je ne prends pas là, nous sur l'Algérie Millennial. Bon, en tout cas, je ne peux pas dire qui est ou pas. Pour le moment, Génie Millennial, moi aussi, public moyen, je demande à vous d'être tous, s'il vous plaît.
Et on continue en culture avec un cool Richard. Participant 002. Question 8. Question 8. Anessa fait compas direct combien de temps? Anessa fait compas direct combien de temps? 72 ans? Non. Evans, et tout c'est Evans, 67 ans. Bravo. Dali, il faut lever mes avant, oui. Élever mes avant. Question 10. Question 10. Ixon, culture. Qui principalement mange qui sorti là et lien coup? Lien coup. Qui principalement mange qui sorti lien coup? Passe. Le temps est écoulé. Qui veut essayer, s'il vous plaît? Qui principalement mange qui sorti lien coup? J'ai l'impression que c'est parce que nous avons localisé lien coup pour ne pas répondre. Justement, c'est comme si nous oublions la géographie qui ne peut pas répondre à la question. En allez, non. Ou Jerry, où connaît lui? Ou pas vle? Dali, ou pas connaît? Ou pas vle essayer? Eh bien, nous allons dire qui ça lié? Qui ça? La? La, l'eau. Quitte les sections communales, quitte le quartier, qui ça lié? C'est un côté qui est très très réputé pour la l'eau. Question 2. Question 2. Qui artiste qui chantait rejeté à confession? Qui artiste qui chantait rejeté à confession? Musique ça l'embouche tout le monde. Deux musiques ou bien une seule musique? Deux musiques, oui. Différents. Rejeté et puis une autre musique, confession. Rejeté, confession. Rodrigue Millien. Bravo! Qui a sac par contre confession? Levez mes noms pour moi qui a sac par contre confession. Quand Manika qui presque veut faire comme ça. C'est pour ma paix chanter aujourd'hui. Nous avons une confession relais. En tout cas, même public là, tu connais réponse en bravo. Peut-être s'il vous plaît, bla 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 bla. Bien, yeah, on continue s'il vous plaît. Question 1. Question 1. Qui artiste haïtien y aurait les paysans à la voix d'or? Qui artiste haïtien y aurait les paysans à la voix d'or? Passe. Toussaint. Ouezio. Oui. Toussaint Evans, Luman Casimir. Bravo! Tout le monde la connaît Luman, c'est pas vrai? Mais c'est sûr, souvent, c'est la musique. Hein? T'as pagué des belles garçons. Yeah! Question 7. Question 7. Qui tout nom? Qui tout nom? Oxyde Gentil. Jean Oxyde Gentil. Tout est presque, mais non. Tout est fond, une question sur tes fonds, tu réfléchis plus pour t'abjeuner. On y va. Qui tout nom? Oxyde Gentil. Tout service, Oxyde Gentil fils.
Presque. On va serrer les nous presque bon ici ça. Non mais ouais, moi vu nous pas bravo pour audace li. On compte ça belle là, dommage bravo pas bail point. On continue, personne ne veut essayer. C'est aussi Luz gentil fils. Tellement ça. Illustre là seulement oublié. En tout cas, on continue. C'est pas grave, Yavent. Ou Jerry. 4. Le participant de 15 ans. 4. Qui j'en aurait les mouns qui pas raté fait champêtre pour un maï? L'appli, tonnerre, neige, cyclone, mouns a pas raté fait champêtre. Comment aurait les eux? Pèlerin. Bravo! Ou Jerry semble en pèlerin, oui. Il va réfléchir même, non, papa. On continue. Question 5. Question 5. Qui le carnaval commence à Haïti et qui l'est fini? Qui le carnaval Haïti? Oui, chérie. Qui le carnaval commence à Haïti et qui l'est fini? Il commence et vendredi gras, il est fini. Il commence Mardi Gras. S'il vous plaît, n'abstressez-le. Mais on connaît, dès vous commencez à faire une réponse ou pas à faire une autre. Ou Jerry? Il commence Dimanche Gras, à bien Lundi Gras, Mardi Gras, et puis demain c'est à bien Mercredi Descent. Qui finit avec, qui marque fin. L'autre dit qu'il commence dimanche gras. Qui dimanche? Dimanche, premier jour carnaval, là, et toi jour gras, et toi jour gras. Ah, ben si c'est comme ça, non. C'est pas réponse comme ça. Carnaval Haïti commence depuis un mois. Janvier, dimanche, les ouais, épiphanie. Et puis, il finit mercredi, les cendres. Question 6. Qui ça qui marque date 28 octobre dans quel pays? 28 octobre, qui ça li marqué dans quel petit pays? Fait Dieu. Même bon, je n'ai pas au courant de son dia là, non? Le temps est découlé. On y va. 28 octobre. Question plus facile dans le qu'il dia là. Ou Jérim Sio qu'on connaît. Ernst. Dali. Dali, père! Père réplique, yo kounia, oui? 28 octobre, c'est journée langue à Kilti créole. Puis maintenant, c'est une série de questions que nous toutes tapons. On continue avec Cancun, s'il vous plaît. Série du français au créole. Bon, rappelez-nous bien comment principe ça y est. Ou pas de discussion. Si c'est un proverbe en français que yo baou. Fok ou bay équivalent en créole. Vous entendez bien? Équivalent, ça veut dire qui ça le vaut en créole. Maintenant, si c'est une autre phrase simple en créole, en français yo baou pour mettre en créole, ou a fait une proposition avec jury par rapport avec ça ou tandéa, yo même yabdou, est-ce que c'est acceptable par rapport avec cette réponse là ou pas? Nous tous comprenons. On y va. Numéro 4. L'amour est aveugle. Créole l'a dit comme ça. Qui ça créole l'a dit? Ah, ok. Jadelo est. Excusez-moi. S'il vous plaît. L'amour est aveugle. En créole, ça veut dire qui ça t'a dit comment? L'amour par contre, Bouddha Chiré. Oui,
l'amour par contre des pièces. Monsieur, que des poules pas pièces. On va se dire ça. Ixon, tu as fait pour la ça. On allait. Question 10. Question 10. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Mérité pas mandé? Non. Mais Dali qui a dit. Qui a montré quand cool qu'il est venu. Ou pas là, Dali, ça qui passe? Quand cool, Richard. On 6 qui a dit en 9 que je le fais cocher comme ça. Oui, c'est acceptable. C'est acceptable. Ou bien, ou t'as capable de dire, c'est chercher, cap corriger, Makanda. Toi. Dali, ou pas sûr même, non, c'est ça. Toi, Yuri Dali, Fleurissin, toi. L'union fait la force. Dali, ou pour un côté garçon, prend bâton, bon, ici, on ne pas jouer ça. En pile, mes chats, il bravo, mais en pile chay pa lou. Ou bien ou te ka di, on sel douet, ka manje, ka la lou. On continue. Ah, moi, mais tu parti ça net. Question 1. Voilà, donne. Question 1. Un bienfait n'est jamais perdu. Bienfait pas, je me perdi. D'accord, ou traduit le bon moins. Merci. Bien par Jean Petit. Oui, bravo. Question 7. Question 7. Ah, c'était tout pour. Oui. Ah, et on se voit jouer ça? Je sais qu'on est. Est-ce que nous sommes Jésus au courant de ça? Il s'est parlé à là. Jésus connaît? Eh bien, ok. Bien. Il est un pissou. Il est un pissou. Ce n'est pas un proverbe, mais c'est une expression française qui est capable de traduire en créole avec un grain de mot qui est important. Il est un pissou. Ok, qui veut essayer? Oh, Ervins! Tout Ervins. Li ping en pile. Li? Ping. Ping. Pissou. Eh bien, pissou. Pissou. Pissou, P-I-S-S-O-U. Li, ka, pon, en, pile. Li, ka, pon. Pissou. De dis-nous ça, une expression la donne. On y va, on continue. 9. 9. Poser un lapin. Prends poteau. Poser un lapin. Non. Poser un lapin. Non. Yuri by poteau. Voilà. Poser un lapin. On va pas dire prends poteau. Badou, on m'a posé un lapin. Poser un lapin, 8. C'est bail poteau, c'est pas prendre poteau. On y va. Question 8. Question 8. Jacques faisait un clopé. De quoi? Jacques faisait un clopé. Jacques t'a fait un coup d'œil. Comme ça. J'adore. Il y aurait les sons et images. La télévision, chérie, d'accord. Non, ce n'est pas ça. Et par contre, ça. Ça, c'est un G. Non. Qui veut essayer? Et puis, nous pas essayer? Et puis, dans un sens, si nous prenons, ou pas trop loin que ça, j'attape Kabicha. C'est pas joli tapin. Kabicha. Deux. Deux.
Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ça n'a même pas Selik Pao. Bravo! Bravo! Ou bien, ça qui n'a votre cabrit, c'est l'issel qui compte. Un pile bravo pour vous, pour moi, s'il vous plaît. Bon, nous t'apprenons une série ça, il y a des gens qui content, il y a des gens qui pas content, c'est la vie. C'est là nous mettons fin avec l'émission d'aujourd'hui. Restez deux gros tontons émission qui c'est demi-finale et puis finale. Pour demi-finale là, la fête avec six mouns. Ça veut dire aujourd'hui, il y a deux mouns qui ont éliminé. Et puis, dans demi-finale là, c'est seulement avec trois mouns que finale là a fait. Et pendant même finale là, il y a un grand moun qui a éliminé. Et puis, avec deux mouns qui prennent le contre-carré pour nous connaître qui est qui champion 2022 génie millénial. Mais bien avant, trois mouns qui prennent le final là, a bien pour faire une excursion ensemble avec staff millénial pour aller dans les hauteurs pour nous enjoy et faire formation en même temps. Non pile bagaille qui carré pour nous là. Dégagez-nous pour nous aller dans la finale. Merci à vous-même qui t'avez regardé nous, que ce soit sur les réseaux sociaux, la caillou. Merci avec public adoré moyen qui est toujours là malgré vents et marées. Je vous adore. Bat bravo pour cette nous pour moi, s'il vous plaît. Membre jury, moi, qui a fait un travail qui n'est pas comparable du tout. Bat bravo pour membre jury, s'il vous plaît. Wendy, Cathy, Patricia, Murdit. Et puis, mes amours de cœur, mes techniciens adorés, ne pas oublier nous. Bravo, 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 s'il vous plaît. Ma maquilleuse, Rujina Mua, Risnold, notre collaborateur. Bonsoir et merci à tous. À la prochaine!